C'est le retour des vlogs, des weekly vlogs. Welcome back. Comment ça va? Comment allez-vous tous? En cette rentrée fraîche et tellement agréable. Moi, ça va très très bien, forcément, c'est la rentrée, j'adore ça, je suis complètement hystérique et tout. Je commence ce vlog un dimanche, parce que comme je vais devoir le terminer un samedi pour pouvoir le monter et le mettre en ligne pour le dimanche suivant, pour qu'on ait une vraie semaine, je commence un dimanche. Aujourd'hui, je vais chez Léo et Fabien pour qu'on organise un peu plus notre voyage. On voyage avec une marque et ensuite, on reste sur place, tous les trois, parce qu'on a envie de visiter des trucs et de faire des trucs dans le coin. Donc, on a déjà réservé le Airbnb, un vol intérieur. Il faut qu'on réserve des excursions, parce que comme aucun d'entre nous ne conduit, enfin, moi, j'ai mon permis, mais je refuse de conduire. Et eux, ils n'ont pas leur permis. En fait, avec Get Your Guide, il y a plein... C'est génial, cette appli. Je vous la noterai en dessous. C'est vraiment... Je m'en suis servi... à Stockholm, c'est avec ça que j'avais réservé la visite du Vasa. Je rentrais une destination. Enfin, vous cherchez une destination. Et ça vous donne toutes les excursions. Enfin, plein d'excursions possibles. Et là, il y a plein d'excursions qu'on peut faire en bus ou en minivan. À la journée, quoi. Sans être obligé de conduire, donc c'est hyper pratique. Donc on va voir un peu, comme on reste quand même une semaine entière, donc on a le temps de faire plein de choses. Donc on va aller organiser ça. Je suis trop contente, ça va être ce voyage, ça va être, je suis vraiment, ça me fait trop plaisir quoi. Voilà, je m'en vais prendre le bus, je file. Et oui, on a fini de réserver les vacances. Voilà, on a réservé les excursions mystères pour les vacances mystères. Et du coup, comme on est complètement geek, évidemment, et qu'on est... regardez, lui, il est encore en pyjama. Vous savez qu'il prend l'avion dans cette tenue. C'est un pyjama de maison et de voyage. Il était à l'aéroport le jour où il montrait en story. Il était littéralement en pyjama. Mais du coup, je vais en prendre d'autres, parce que j'ai que cette couleur. J'hallucine. Ça se voit que c'est un pyjama, quoi. Il en a rien à foutre. Il est là, tranquille. Bref, donc on est en train de se montrer tout notre matos, parce que Léo, il a une petite caméra de vlogging qui est encore mieux que celle-ci. Mais je pense que vous connaissez cette caméra. Elle est tellement petite, mais toute non, petite, ils connaissent comme pas. Ça, ah, ils sont pas vloggeurs, ils connaissent pas. Vous allez connaître. Regardez, elle est trop belle. Et Fabien, il a un nouveau setup pour filmer. Ah ouais. Fais voir ton setup, c'est extraordinaire aussi. Ouais. Non, mais voilà. Il y en a qui utilisent ça. Je crois que je vais. Et il y en a qui utilisent ça. Mais moi, c'est pour mettre le téléphone ici. Dedans, du coup, il y a un micro intégré pour améliorer le son. Petite lumière aussi. Et en fait, c'est pour ceux qui veulent filmer avec l'iPhone. Mais tu sais, imaginons que tu filmes. Ouais. Tu sais, comme ça, tu peux prendre comme ça, c'est un stabilisateur. Ouais. Les poignées. Ah. Mais alors, ça, surtout, c'est ça, le meilleur. Et ça, c'est pour faire tes TikTok et tes réels. Mais est-ce que tu regardes à quel point c'est lourd? Ça va. Non. C'est parce que personne ne le soulève dans la vraie vie. Tu le poses sur ton bureau. Ouais, c'est un peu lourd, mais franchement. Mais ça, c'est le meilleur truc. Ça, c'est en gros, c'est un écran. Ah oui, t'as un retour écran, donc tu peux filmer avec la bonne caméra. Exactement. T'es pas obligé d'être en mode selfie. Voilà, c'est ça, comme ça, moi je peux filmer avec. Vous en avez rien à foutre, hein, ça vous intéresse pas du tout. Non, mais nous on est forcément, on est complètement passionnés. On est là, où est-ce que t'as acheté ça? Oui, non, je veux la même chose. C'est chaud de l'Amazon. Sur ça lundi, moi. C'est pas vrai, tu l'as commandé aussi. Mais le retour écran. Comme ça, au moins, genre, c'est hyper complet. Ouais. Voilà, donc vous voyez l'envers de la création. Vous pensez qu'on filme à l'arrache, vaguement avec un téléphone, mais alors tellement pas, quoi. Moi, j'ai une vidéo d'Hélène à Melvita qui ne filme pas. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, parfois, on n'appuie pas sur le bouton. Voilà. Voilà. C'était l'activité du dimanche. Ouais, voilà, on s'est montré nos matériels. À bientôt. Bien. Donc, toutes nos excursions sont réservées ou au moins planifiées. Enfin bon, tout ça est prêt. Je pense que ça va être dense parce que eux, alors ils sont à fond, mais ils sont principalement sur TikTok, donc ils produisent énormément de contenu. Je vais essayer de suivre parce qu'ils sont là. Alors, tu vas faire des TikTok, il est grand temps, hein, ça suffit maintenant d'être flemmard. Je suis là, oui, et tout, mais j'ai pas du tout envie. Si. Je sens qu'ils vont me forcer. Non, mais c'est bien, ça va être. Puis vraiment, on va voir des trucs. C'est que des trucs, j'ai trop envie de voir depuis hyper longtemps et tout, je suis trop contente. Ça va vraiment être génial. Avec tout ça, je suis rentrée. Quand je suis chez moi et que je filme pas, c'est parce que je suis en train de travailler. Je suis rentrée, j'ai répondu aux commentaires de ma vidéo d'aujourd'hui. Il y en avait pas mal, comme c'était le question-réponse. Donc voilà, j'ai pris le temps de bien répondre à tout le monde. J'ai eu plein de. Beaucoup d'entre vous m'ont recommandé des bouquins et des séries. Donc je suis allée sur Amazon, j'ai trouvé tout ce qui était disponible en Kindle. Je les ai achetés, tout ça. Enfin bon, j'ai fait toute une petite sélection. J'ai regardé dans les séries qui m'étaient.
Enfin bon, j'ai eu plein de bonnes recommandations, c'est trop cool. Maintenant, eh ben, il est 18h30, donc en général, vers 18h30, si je n'ai rien d'autre à faire, et c'est souvent le cas, je mets du riz à cuire et je vais prendre une douche. C'est passionnant. C'est-à-dire, je mets le dîner en route. Là, je pense que je vais mettre genre du poisson et des tomates dans le air fryer. Hop, et du riz au rice cooker. Et hop, comme ça va cuire pendant que je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, faire ma routine du soir. Et j'en profite pour vous montrer ce que je vais utiliser, qui est... Et cette partie de la vidéo est sponsorisée par SkinCeuticals. Ils sortent un nouveau sérum. Et je peux vous dire, ça mérite d'être signalé parce que SkinCeuticals, ils ont la partie recherche et développement chez eux est très importante. Ils font énormément de recherches scientifiques poussées et ils ne font pas du tout de sortie selon un calendrier marketing pour dire ça fait 6 mois qu'on n'a pas de sortie de produit donc il faut sortir un produit. Pas du tout. Ils sortent un produit que s'ils sont complètement convaincus, qu'ils le trouvent vraiment réussi, vraiment utile par rapport à la gamme qu'ils ont déjà. Et donc là, ils sortent un nouveau sérum, enfin il est déjà sorti, mais qui s'appelle Petiox, P-T-I-O-X, donc qui est un sérum antioxydant, parce que OX c'est pour antioxydant, mais qui est avant tout, qui corrige les rides et la texture de la peau. Donc il contient beaucoup de peptides qui sont un anti-âge, hein, qu'on connaît, hyper efficace. Et pour lisser la texture de la peau, faire un effet un peu glass skin, il y a 5% de PHA, donc qui a un effet vraiment lissant sur la peau, et il y a de la niacinamide, je sais jamais. Enfin, il y a ces deux ingrédients-là qui ont un effet sur la texture hyper impressionnant. Alors évidemment, sur moi, ça saute pas aux yeux, parce que les rides d'expression, j'en ai pas, vu que je fais du Botox, et j'ai pas beaucoup de texture. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la nouveauté, donc je vous le montre et je l'utilise, quoi. Donc je vais vous montrer déjà la texture comme ça, puis ensuite je vais aller le mettre sur mon visage. Mais vous voyez, j'en mets beaucoup pour vous montrer bien la texture. C'est presque comme de l'eau. Ah, vous voyez, ça goûte. C'est très 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 liquide comme texture. Donc on peut en mettre autour des yeux. Alors après, essayez d'abord, vérifiez peut-être en montant juste un petit peu ici, mettez pas directement jusque sous les cils, quoi. Mais si vous voulez en mettre autour des yeux, vous pouvez. Voilà, je vous dis en faisant un petit test avant quand même pour vérifier. Mais donc ça, vous voyez, ça pénètre tout de suite dans la peau, très rapidement, parce que c'est une texture très... Ouais. Est-ce que c'est un peu gélifié? Non, même pas. Ça colle à peine. Ça colle un tout petit peu, mais vraiment à peine. Et dès que ce sera sec, on ne sentira plus rien. Et ça pénètre très très vite dans la peau. Vous pouvez aussi l'utiliser le matin, si vous voulez. Ça marche. Matin et soir. Moi, je l'utilise plutôt le soir. Mais parce que j'ai tendance à mettre plutôt un hydratant le matin et un anti-âge le soir. Logiquement. Parce que, voilà, traditionnellement, on fait comme ça. Mais si vous voulez l'utiliser 2 fois par jour, il n'y a pas de problème. Ça marchera 2 fois plus vite. Voilà. Donc je vais mettre mes machines en route dans la cuisine, mes appareils, et ensuite me foutre en pyjama. Voilà, c'est fait. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, et j'ai fait ma skincare. Donc, le fameux sérum, et j'en ai mis, voilà, je suis un tout petit peu sur l'os, quoi, mais je ne suis pas remontée vraiment au ras des cils avec. Hein. Voilà, et évidemment, cou décolleté, toujours le cou décolleté. En contour des yeux, j'ai mis aussi un autre produit. Seigneur, on ne voit rien dans cette salle de bain. Vous êtes dans le placard, faut dire, ça n'aide pas vraiment. Dans l'armoire de toilette. Le Age Advanced Eye, qui est la nouvelle version de l'Age Eye Complex. Vous savez que j'utilise depuis mes 10 000 ans et c'est mon je ne sais combien tième pot. J'adore ce contour des yeux, vraiment. C'est celui que je préfère utiliser le soir. Vraiment, je l'adore. Et en crème, cette fois-ci, j'ai mis les crèmes, ça change assez souvent. J'en ai plusieurs pour ouvrir en même temps. Ça, c'est une crème intense, une crème hydratation intense non parfumée de la marque Lumen, qui est une marque finlandaise. Je l'ai achetée à l'aéroport de Stockholm. Et donc, c'est très hydratant et tout, mais c'est pas trop lourd, pas trop gras, parce que j'ai tendance à mettre des trucs trop gras sur ma peau. Et pour ce qui concerne notamment la dermite autour de la bouche, c'est le risque quand on a des produits trop occlusifs. Ça peut risquer de réactiver ça, donc je fais très attention à ne pas mettre des produits trop gras, surtout que ça va, il fait 22 degrés, j'ai pas besoin, quoi. Voilà, je vais aller voir où en est le air fryer.
Seigneur, je suis complètement à l'ouest, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un... Comme c'est un partenariat rémunéré avec SkinCeuticals, pardon, il y a bien sûr un code promo qui est valable sur tout le site, un code réduction, pour que vous puissiez essayer ou racheter les produits pour moins cher. Donc je vous le mets dans la barre d'infos, bien entendu, mais voilà. J'ai emporté par mon appétit, j'avais oublié de vous signaler ce point important. Ouh, ça a l'air très bien. J'ai du poisson, un morceau de cabillaud et des tomates. Sachant que le cabillaud, je l'ai sorti du congèle, je l'ai directement congelé dedans. J'ai jeté les tomates cerises dessus sans même les couper en deux. J'ai mis de l'huile d'olive, du sel et j'ai mis 20 minutes. Et là, yes! Mon riz basmati bien aimé. Ah, ça y est, on ne voit plus rien. Pardon. Voilà, ça va être parfait ensemble en regardant les nouvelles aventures de Sabrina que j'ai déjà vues mais que je re-regarde parce que pour Halloween, pour l'ambiance d'Halloween, il n'y a pas mieux, l'ambiance automnale. C'est un parfait petit dimanche soir. Ah, ça me fait penser, dans la vidéo de dimanche dernier, quelqu'un demandait si j'étais contente de mon rice cooker et qui était la référence. Donc voilà, c'est un Russell Hobbs. C'est un tout petit, hein. Ça fait deux personnes grand max. Et je vous mets ma main à côté, vous voyez, pour référence, il est vraiment tout petit. Et je crois que je l'ai acheté sur Amazon, j'essaierai de vous trouver un lien. Mais voilà, je ne peux pas vivre sans lui, je m'en sers 5 ou 6 jours sur 7. J'adore. Hello guys, on est lundi matin, je suis très contente, je viens de recevoir, je l'ai ouvert parce qu'avec une seule main c'est pas possible, je viens de recevoir une commande que j'ai fait chez Anna, vous savez, The Salon Life, la fille que j'adore qui est en Espagne, la canadienne qui est en Espagne et qui fait des manucures, qui a une vision de la manucure tellement intelligente et tellement safe pour les ongles, enfin vraiment j'adore, je regarde toutes ses vidéos, et j'ai fait une commande chez elle parce qu'en fait ce qui m'intéressait, parce qu'il y a plein de trucs, vous voyez, il y a des tas de... Il y a des polissoirs, il y a plein de lima ongles. Ah bah écoutez, j'avais plus de lima ongles, là, je vais être bien, je pense. Je sais pas combien il y en a, mais j'en ai au moins 10. Il y a un truc pour... ça, c'est un instrument de pédicure. Moi, j'utilise pas, je fais pas de pédicure. Mais il y a un truc pour repousser les cuticules. Il se trouve que j'ai perdu le mien, donc ça m'intéresse. Il y a plein de petits bâtonnets en buis. Et il y a un gros polissoir. Tout ça qui est brandé à son nom. C'est super. Elle a ouvert sa petite boutique, en fait. Donc, elle vend aussi des trucs d'autres marques, voyez. Mais elle vend, en fait, les produits qu'elle utilise et qu'elle trouve de très, très bonne qualité. Et, en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle fabrique elle-même un skin and nail salve, c'est-à-dire un baume pour les ongles. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une seule main? Non, je ne vais pas réussir. Bref. C'est comme un baume, c'est comme du baume à lèvres, mais sauf que c'est pour mettre autour des ongles, voyez, pour la peau ici. Et j'avais très envie de l'essayer parce que je suis sûre qu'elle fait ça hyper bien, elle fait ça chez elle, dans sa cuisine, avec des produits naturels et tout, et elle le met en fait en cadeau dans les commandes. Elle voudrait essayer de le produire de façon professionnelle, mais il faut, alors il y a tout le juridique, la légalité, les tests, les machins à faire. Donc pour l'instant, elle l'offre en cadeau pour quand on achète le reste. Et comme j'avais très envie de l'essayer, et que j'avais aucune envie d'attendre qu'elle ait enfin passé toutes les étapes du juridique, de trouver un labo pour le faire, de tous ces trucs-là, j'ai commandé ça en me disant qu'au minimum, ça et ça, ça serait utile, le truc pour repousser les peaux autour de l'ongle et les lima ongles, et que comme ça, j'aurai le petit baume. Donc je suis ravie, je vais l'essayer, parce que moi je mets de la crème au bout de mes doigts tous les soirs, pour éviter d'avoir que ce soit tout sec et tout moche, vous voyez. On voit pas grand chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'huile, je trouve que c'est parfois un peu, ça coule, c'est pas forcément pratique. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, en termes de résultats. Encore que le baume Nuxe, il fait vraiment super bien son affaire. Mais voilà. Et c'est pour emporter en voyage aussi, parce que c'est beaucoup plus simple de transporter ça qu'un petit flacon d'huile. Voilà, je suis enchantée. Je vous mets évidemment dans la description, dans la barre d'infos, je vous mets l'adresse de sa chaîne YouTube. Elle est vraiment top. C'est vraiment, je vous dis, meilleure vision de la manucure ever. Bon, je suis venue déjeuner avec ma chère Anne. Et j'avais envie de manger de la viande et des patates. Voilà. Et en plus, elle m'a dit qu'il faudrait que je l'aide avec ses frites si jamais elle n'arrivait pas à tout finir. Donc je ne vais pas mourir de faim, tout va bien. Miam. J'ai oublié de vous montrer. J'ai sorti ma déco d'automne. Je dis déco entre gros guillemets. Parce que j'ai une guirlande en plastique. C'est du plastique, mais je la trouve très bien faite. Et un bouquet de feuilles qui sont plus ou moins plastiques, plus ou moins en tissu. Je vais vous montrer. Mais alors, je suis trop contente. J'adore.
J'ai sorti mes bougies d'automne. Là, on a peint un eucalyptus. Là-bas, c'est Orange Bitters. Et ici, c'est une bougie Voluspa qui sent la forêt aussi. Et alors, attendez, je vais vous amener... Je vais vous amener en passant par... Je passe par le sol parce que c'est tellement le souk chez moi en ce moment. Il y a des trucs partout. Je ne vous montre pas en dehors des spots précis. Regardez mon bouquet de feuillage. C'est en quoi? C'est à moitié du tissu, à moitié du plastique, je ne saurais dire. Enfin, c'est absolument pas naturel. J'adore ce truc. Ça me met en joie. Et là aussi, j'ai sorti mes bougies d'hiver, à savoir chêne. Ici, j'ai feu de bois. Et oui, j'ai déjà sorti une bougie de Noël, j'ai le droit. J'ai ressorti ma bougie de Noël de Goutal de l'année dernière que j'avais pas terminée et qui est juste... Oh mon Dieu, c'est la plus belle bougie de Noël du monde. La forêt d'or de Goutal, c'est la plus belle bougie de Noël du monde. Je vous la recommande. Voilà, et donc je suis absolument enchantée. Et aujourd'hui, il fait genre 18 degrés dehors, il fait gris, il y a un peu de vent et tout. Oh, mais quel bonheur, quoi! Ma saison préférée au monde! Bon, je vais dîner au crayon. J'espère que ça bouge pas trop. J'ai mis un truc de stabilisation sur cet appareil, mais j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Je vais dîner au crayon avec une marque. Et on va pas au restaurant gastronomique, hein. On va au Grill, qui est un nouveau resto dans le crayon. Donc on mange de la viande grillée, ce que je trouve très sympa. Mais comme la station Concorde est fermée, que les rues sont fermées, enfin il n'y a aucun moyen d'accéder à l'hôtel autrement que à pied. Donc je finis à pied, en marchant trop vite et en étant essoufflée. Ah, on aime bien cet endroit. On aime bien. C'est un peu plus loin à droite. Est-ce que ce serait là? Non, c'est pas là. Excusez-moi. Ah voilà. Nonos. C'est ici. C'est très bien, je suis la première. Ça me permet de vous filmer la table et l'endroit. Voilà. Plutôt que d'embarrasser les gens en leur sortant une caméra à la figure. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de vlogger quand on est avec des gens. Ces serviettes sont ravissantes. Ça commence bien. Bon, on est pas mal. Oui, vous êtes Théo. Are you okay to film? Comme c'est beau. Mon Dieu, je suis trop contente. Je viens de recevoir mon nouveau miroir. J'ai acheté un miroir exprès pour filmer les réels que je fais sur Instagram. Parce que je suis obligée de les filmer ici dans le salon. Je mets le miroir. En fait, d'habitude, j'utilise ce petit truc complètement minable. Ou qui est vraiment minuscule, et je le pose sur la fenêtre, ouverte, sur le balcon. Enfin, le balcon. Vous voyez, le garde-corps, quoi. Parce que, comme ça, c'est super bien éclairé, parce que dans ma chambre, il fait beaucoup trop sombre. Et j'en pouvais plus de ce tout petit truc où on voit rien, j'étais obligée de me contorsionner à moitié, en plus, il part en morceaux et tout. Donc j'en ai acheté un nouveau chez Maison du Monde, et je suis contente parce que je peux le soulever, parce qu'il faut que je puisse le déplacer à chaque fois, je vais pas le laisser devant la fenêtre, sinon je peux plus l'ouvrir. Donc je suis trop contente, j'espère qu'il est joli, je vais le déballer et je vous le montre. Je l'ai mis à un endroit où il soit pas à contre-jour pour que vous puissiez le voir, parce que quand il sera devant la fenêtre, on le verra beaucoup moins. Je suis contente, il est super joli. Il ressemble un peu à celui que j'ai au-dessus de la cheminée, c'est un peu le même style. Et je peux le soulever. Et vous voyez, les finitions sont jolies, mais c'est pas too much, c'est pas un doré clinquant. Je vais refaire un faux miroir ancien, c'est quand même pas si facile, quoi. Moi, celui que j'ai au-dessus de la cheminée, vous voyez, là, celui-là, il est d'époque. Donc, c'est difficile de trouver quelque chose qui matche à peu près. Mais là, c'est vraiment... Ah, je suis trop contente. Et je peux le soulever, contrairement à mon tapis de course. Donc, c'est vraiment top. Je vais le mettre devant la fenêtre pour voir comment ça fait quand je filme un outfit dedans. Ah non, mais c'est trop parfait. J'ai beaucoup plus de place, je peux tourner, je peux évoluer, je peux bouger, quoi. Alors qu'avant, j'étais serrée dans ce petit miroir minuscule. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je l'ai acheté vraiment exprès pour ça, pour faire du contenu, quoi. Et ça me fait quand même une jolie pièce de déco à avoir chez moi. Je vais voir maintenant où je peux le mettre quand la fenêtre est fermée et que je ne filme pas. Parce que j'ai calculé, au centimètre près, ça ne tient pas entre le radiateur et la fenêtre quand elle est ouverte. Je vais essayer ça.
Si, ça va. Si je le mets un peu à cheval sur le radiateur, ça tient. Et sinon, si je ferme la fenêtre, ce qui va être quand même de plus en plus le cas, je pourrais le mettre à ce moment-là. À une seule main, c'est un peu lourd, mais franchement, à deux mains, il n'y a aucun problème. Il pèse 8 kg. À deux mains, il n'y a aucun problème. Et là, voilà, je peux le mettre là, et c'est nickel. Je peux même, si je veux vérifier mes chaussures dans le salon, je ne suis pas obligée d'aller dans ma chambre de regarder. Oh, je suis trop contente! Oh, j'avais peur de me louper quand même, puis je ne l'avais pas vu en vrai, donc je ne savais pas si les dorures allaient faire complètement fausses, complètement cheap, plastique, dégueulasse, mais pas du tout. C'est super joli. J'aime bien les petites perles autour comme ça aussi. Oh, je suis trop contente! Trop bien. Allez, je réalise que je vous ai pas fait de retour sur le resto hier soir. Vous voyez, je suis pas une foodie, j'ai pas ce genre de réflexe. Mais c'est pas parce que je suis pas une foodie que je suis pas capable de voir et d'apprécier quand c'est très bon, et c'était le cas. C'était délicieux. Mais vraiment, mais délicieux. Et pour un prix, franchement, c'est pas tellement plus cher que le Ralph, quoi. Voir, c'est les mêmes prix, et c'est 10 fois meilleur. Mais 10 fois meilleur, quoi. Et en plus, c'est une ambiance assez... comme c'est un grill, c'est un peu comme une ambiance de brasserie. On n'a pas l'impression d'être à l'intérieur du crayon. C'est très cool comme ambiance. Pas du tout guindé. Donc vraiment, super adresse. Vraiment, mais c'était bon. Oh là là, moi j'ai pris du poisson. Alors que, bon, bah évidemment qu'on y va pour manger de la viande. Mais enfin, deux fois dans la journée, ça faisait un peu beaucoup pour moi. Mais c'était vraiment délicieux, quoi. Super adresse. Si vous avez une occasion, je recommande vraiment. Je vais le mettre dans ma... J'ai une liste d'adresses quelque part avec mes bonnes adresses parisiennes. Je vais le mettre dedans. Bon, les enfants, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une douche de camping portable? Eh bien, presque. Figurez-vous que je vais faire une douche d'auto-bronzant avec une jeune femme qui fait ça, dont la compagnie s'appelle Sunless Bronze. Je vous mettrai les coordonnées en dessous. Donc, en fait, elle vient chez vous avec son truc, là. Et vous vous mettez tout nu? Je me mets tout nu dedans ou... Maillot de bain, sous-vêtements, topless ou nu. D'accord. Peut-être je vais garder une culotte quand même là-dedans. Et elle vous asperge des pieds à la tête partout, partout, partout. Et du coup, c'est ultra uniforme. Enfin, c'est trop bien fait. Donc, je suis absolument enchantée d'essayer ça. Ça m'amuse énormément. Je vous raconte le résultat après. Voilà. J'ai fini mon spray tan. En fait, c'est pas une douche auto-bronzante. Parce que c'est pas une machine qui vous pulvérise de l'auto-bronzant dessus. C'est la jeune femme elle-même qui a un truc qui ressemble, ça ressemble un peu au truc d'airbrush de maquillage, mais en plus, qui diffuse plus large, qui vous comme ça partout, donc vous êtes en culotte devant elle, quoi. Enfin, vous pouvez avoir un soutien-gorge si vous voulez, enfin, je me suis dit, bon, on va essayer d'avoir le moins de marques possible, quoi. Donc, mais elle est extrêmement chaleureuse et nature et sympa, donc. Elle dit, bon, vous savez, je bois des corps toute la journée, hein, donc voilà. Donc finalement, bon, on est là, bon, c'est pas grave, tant pis, je suis presque toute nue, mais tant pis. Et c'est incroyable, en fait, là, je sais pas si vous voyez sur mes bras, mais alors il y a le produit lui-même qui est teinté, mais en plus, il faut le temps que ça développe, c'est comme la plupart des auto-bronzants, en fait, c'est le produit lui-même a une certaine teinte, comme ça on voit où on l'applique. Et ensuite, ça développe pendant plusieurs heures, c'est minimum 3 heures. Moi, je l'ai fait à 4h de l'après-midi, donc je pense que je vais prendre ma douche le plus tard possible. Je ne vais pas la prendre avant de dîner, cette fois-ci, je vais la prendre après, vers 21h, un truc comme ça. Comme ça, j'aurai au moins 5 heures à baigner dans le produit, pour que ça développe au maximum, quoi. Et voilà, et elle est super sympa. Alors, elle habite à Lyon, mais elle se déplace partout. Elle était, par exemple, pendant le Festival de Cannes, elle était là-bas tout le temps, et elle auto-bronzait les personnes qui avaient des tapis rouges, tout ça. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir... Alors, j'ai pas encore vu comment ça va. Je verrai une fois que j'aurai rincé, et je pense que c'est demain matin. En fait, je vous montrerai demain matin si on voit vraiment bien. Parce que ce soir, bah, soit là, j'ai le produit sur moi, donc forcément, j'ai l'air très bronzé, mais il y a la couleur du produit. Juste après avoir rincé, je sais pas s'il y aura encore assez de lumière naturelle pour voir. Bon, moi, je verrai, je vous dirai. Mais elle se déplace partout, et c'est vrai qu'avant un événement vraiment important, ou pour une occasion où on a envie de mettre une robe ou qui est assez dénudée, ou ce genre de truc, et qu'on n'a pas envie, moi par exemple, moi normalement je m'en fous d'être bronzée, mais si je dois porter en plein hiver une robe à bretelles, moi j'ai la peau qui est très naturellement très marbrée,
Comme je dis toujours, moi l'hiver je ressemble à un jambon. Donc effectivement, si je peux avoir un petit hâle plutôt que de ressembler à un jambon, tout ça sans avoir flingué ma peau, ben... donc voilà, je trouve ça super. Je vous mettrai donc ces coordonnées en dessous, parce que c'est beaucoup moins galère que de se mettre de l'autobronzant soi-même, quoi. Ça, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup mieux fait, beaucoup mieux réparti, appliqué, enfin elle fait ça hyper bien. Bref, par ailleurs, attendez, je retourne la caméra, attendez une seconde. Regardez ce que j'ai trouvé en arrivant. C'est les nouveautés de Lisa. Elle m'a envoyé elle me les a offert. Hein. Il y a sa nouvelle palette et les 5 nouvelles. Ah, on voit que mes mains sont bien foncées quand même. Hein. Et les 5 fards à paupières crème, les nouveaux 5 fards à paupières liquides mat, enfin satinés, enfin pas irisés quoi. Avec un petit mot trop gentil. Voilà. Donc c'est ça les produits. Voilà. J'ai tellement hâte de les essayer, j'étais surexcitée quand j'ai vu qu'elle avait sorti ça. Puis bon, plus une nouvelle palette, non mais autant vous dire que ça, c'est vraiment, c'est tellement moi quoi. Je vais l'emmener partout avec moi cette palette, c'est vraiment, vous pouvez tout faire avec ça. Donc je suis absolument enchantée. Et je vous en parle très vite, je pense que je suis à peu près certaine de mettre ça dans mes favoris. Parce que je vois pas pourquoi ce serait pas des favoris. Alors après, pas toutes les couleurs, hein, parce qu'il y a des couleurs qui vont m'aller plus ou moins que d'autres. Mais voilà, j'adore. Donc, merci beaucoup, Lisa. Je peux pas résister, je vous fais un sneak peek de la palette. Oh, regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Puis il y a des fards vraiment satinés, et puis d'autres qui sont un peu mat. Mais il y a pas mal de satinés, en fait. En fait, il n'y en a que deux qui sont... En fait, il y en a quatre qui sont irisés et deux qui sont satinés, mais il n'y en a aucun qui est complètement mat. C'est magnifique. Je suis hystérique. Hello, guys. Mon Dieu, beaucoup de lumière. Nous sommes mercredi. Alors, mon spray tan a développé. Voilà, je l'ai rincé hier soir, c'est des trucs, ça se rince. Hein. On ne dort pas avec, vous pouvez dormir avec si vous voulez, mais vous risquez d'en foutre plein vos draps. Si vous transpirez pendant la nuit, ça va faire des traces dans votre bronzage. Enfin bon, c'est pas du tout recommandé. Alors, sur la majeure partie du corps, je trouve que le résultat... Attendez, je regarde en même temps. C'est assez léger. Sur les bras et les mains, ça se voit beaucoup plus parce que j'étais déjà bronzée. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est orange. Le bronzage est toujours... Enfin, tous les faux... Alors attendez, je l'ai apporté avec moi. Tout. J'essaye de me mettre dans les... Non, je vais m'asseoir là, c'est très bien. Tous les autobronzants font orange sur moi. Mais vraiment, là, sur les mains, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment orange. Vraiment, vraiment. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. En fait, le seul produit qui fait pas orange sur moi, je l'ai pris avec moi pour vous montrer, je vous en avais déjà parlé, c'est le Bondi Sands Cool Tone. Je vous mettrai un lien vers un endroit où on le trouve, parce qu'il était, cet été, il était en rupture de stock partout. Et ça, on voit bien quand on l'étale, la couleur est rose. Donc il fait un cuivré plus qui tire sur le rouge que sur l'orange. Ouais, c'est ça. Saphir, gna gna gna. Bref. Donc c'est génial ce spray tan parce que vous avez, il n'y a aucune marque nulle part. C'est parfaitement réparti, c'est super joliment fait. Enfin voilà, c'est d'une uniformité absolue. Mais voilà, une fois de plus, sur moi, ça fait orange. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Pas rien. J'ai une journée que je vais passer majoritairement chez moi, à faire des trucs sur mon ordinateur surtout. Je vais peut-être essayer de faire un ou deux TikTok. Un TikTok. Ah si, je pourrais faire un crash test TikTok avec les produits de Lisa que j'ai reçus. Avec les fards crème. Ouh, intéressant. Sinon, cet après-midi, je vais chez ma psy. Je ne l'ai pas vue depuis mi-juillet, juste avant de partir en vacances. Donc, il est temps d'aller voir où ça en est, comment ça va, tout ça. Bon, sachant qu'en ce moment, voilà, moi, cette semaine d'automne, là, je sais qu'il ne fait pas un temps normal, hein, parce qu'en fait, on a une masse d'air froid qui arrive d'Islande. C'est pour ça qu'il fait si froid en France. En ce moment, il fait moins. Il devrait faire moins froid que ça, normalement, à cette période de l'année. Moi, je suis enchantée, évidemment. Donc, je vais mieux que bien. Mais je vais la voir pour faire des updates, quoi, voir où on en est, machin, tout ça. Je la vois tous les 2 mois, en général. Voilà! Et ben je vais continuer à répondre à mes mails et tout ça. Et puis, on se retrouve plus tard. Ouh, mais je suis enchantée. Je viens de recevoir un colis Huda Beauty.
Qu'est-ce que c'est? C'est son nouveau fond de teint complètement délirant qui couvre tout. Oh, je vais l'essayer tout de suite. Je vais faire un crash test sur TikTok, je le sens. Alors, est-ce qu'il y a ma teinte? C'est ça la question. Ouh, dites donc, jolie boîte. Je l'avais vue chez Poppy. Effectivement, la boîte est très 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 jolie. C'est pas facile avec une seule main. Et... très jolie boîte. Oh, mais c'est génial, il y a je ne sais combien de teintes. Il y a un primer. Il y a le fond de teint. Ils m'ont mis trois teintes. Crème brûlée. Cashew. Ah, pardon. Ils m'ont mis leur... Oh là 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 là. Excusez-moi, c'est très très mal filmé. Mais j'ai du mal à garder la boîte ouverte et les trucs debout en même temps. Come on. Voilà. J'ai crème brûlée, cashew et vanilla. Bah, il y a toutes les chances que ce soit cashew, ma couleur. Et la poudre Easy Bake, que j'ai déjà, qui était exceptionnelle. Et un pinceau pour aller avec. Bon, dis donc, ça, c'est un bel envoi. Oh, c'est génial. Oh, je vais l'essayer tout de suite. Oh, j'adore. Quand c'est des produits teints, mais j'adore ça. Je suis trop contente. Et alors, attendez, ça se trouve, il y a quelque chose dessous? Non, c'est tout. Ah non, c'est juste pour qu'on puisse l'ouvrir. Attendez. Attendez, quittez pas, si j'ose dire. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose dessous. Bon, je viens d'essayer le Easy Blur de Huda. C'est la couleur crème brûlée qui est ma teinte. Ce truc est magnifique. Ça fait... C'est un fond de teint qui, si on en met beaucoup, qui est très couvrant. Moi, j'en ai mis très très peu. Ça fait... j'ai même pas de poudre. J'ai de l'anti-cerne, ça, et un peu de blush crème. Ça fait une super jolie peau. Et surtout, on peut le transporter. Ce qui n'est pas possible avec les gros flacons en verre. Donc, c'est bon. J'ai trouvé ce que je vais emporter comme produit teint pour mon prochain voyage. Je suis ravie. Mais c'est là que je vous dis, mais vraiment, j'ai bien choisi mon métier. Je veux dire, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Vous avez vu dans quel état d'excitation ça me met quand je reçois un nouveau produit. J'adore toujours autant. J'adore toujours autant. C'est génial. Mais quel temps divin. Bon, il va peut-être finir par me pleuvoir sur la figure. Mais en attendant, il fait un temps absolument divin. Il fait même pas 20 degrés et il fait beau. Que demander de plus? Hello, guys. Nous sommes jeudi. Je suis complètement stone. Je me suis réveillée à 4h du matin avec une migraine monstrueuse, donc je me suis shootée à mort. Et alors je sais à peine comment je m'appelle, quoi. Je suis dans un état, mais... Bon, heureusement, j'ai rien de spécial prévu aujourd'hui, à part un événement à 19h. Donc spontanément, c'est le genre de truc où j'aurais envie de dire « Bah non, ça va pas être possible, je serai déjà dans mon lit. » Limite. Mais sauf que c'est une marque que j'adore et c'est dans un endroit absolument ravissant que j'adore, donc je vais me botter les fesses pour y aller et je serai bien contente une fois sur place. Mais alors d'ici là, je vais commencer par boire un deuxième litre de thé. Pff, complètement dans les choux, quoi. Il faut que j'aille à la poste. C'est le chaos chez moi, comme d'habitude. C'est tout le temps le chaos chez moi. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. C'est parce que c'est trop petit, il n'y a pas de... Comme c'est un appartement ancien en plus, l'immeuble date de, je sais pas, 1905, un truc comme ça, il n'y a pas de rangement dans les murs, forcément, et si on rajoute des rangements, ça rapetisse les pièces, donc j'ai pas du tout envie d'en rajouter, donc il y a des tas de trucs qui n'ont pas, qui sont pas rangés parce qu'ils n'ont pas d'endroit dédié, quoi. Et là, je regarde, il y a des trucs par terre, ça me consterne. Le chaos physique, ça fait du chaos mental, c'est épuisant. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, je vais aller à la poste, ça va virer quelques trucs. Ce sera très bien. Et puis, voilà. Oh, je vais tester les... Ah, ça, j'adore. Quand j'ai des nouveaux produits à tester de maquillage, mais j'adore ça. Je vais tester les nouveaux fards à paupières crème de Lisa. Je pense que je vais faire un TikTok. Je suis désolée, je sais, il y a des trucs que je fais... Je suis obligée de faire TikTok pour le boulot. Je suis obligée, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Comme les crash tests, c'est un truc qui s'y prête très très bien, je le fais là-bas, je le fais pas sur Instagram, je le fais pas ici, il faut bien que je trouve des sujets pour chaque plateforme, quoi. Donc voilà, je sais que vous avez pas du tout envie de vous abonner à TikTok et tout, je vous comprends, moi-même sur TikTok, je ne suis personne, je ne regarde rien, j'y vais, juste je poste mon truc et je me barre, mais voilà, donc il y a des tests que je fais là-bas, et c'est ce que je vais faire pour les fards de Lisa, que j'ai trop hâte d'essayer. Ça, au moins, ça va me réveiller un peu. Voilà, c'est bien. J'ai trouvé une raison de vivre pour aujourd'hui. Ah ben voilà, j'ai trouvé une deuxième raison de vivre. Je viens de recevoir un colis Melvita. En fait, c'est moi qui leur ai demandé des produits que j'avais envie d'essayer.
Alors ça, c'est du refill. C'est le sérum. Ouh ! Le sérum et la crème Nectar Calm. C'est la gamme pour peau sensible et j'adore. Je les ai finis. Ils seront dans mes prochains produits terminés. Donc je leur ai demandé du refill. Et ça, l'une d'entre vous m'a parlé de la bébé crème Melvita et m'a dit qu'elle était absolument géniale. Donc je me suis dit que je voulais l'essayer. Donc je leur ai demandé les deux couleurs parce que je ne savais pas quelle était la mienne. J'étais très intriguée aussi par l'eau extraordinaire argan. Parce que vous savez, il y a l'eau extraordinaire à la rose. L'argan, c'est vraiment, c'est très anti-âge et tout. Donc j'étais très intriguée, j'avais envie d'essayer. Donc je leur ai demandé de me mettre un petit flacon pour ne pas gaspiller. Et ça, bah, c'est probablement mon shampoing préféré sur Terre. Enfin, un de mes... Ouais, franchement, je l'adore. Alors, je leur avais demandé un petit flacon aussi, parce que sur moi, vu que j'ai pas beaucoup de cheveux, ça descend pas vite. Mais ils avaient que du 500 ml, donc ils m'ont envoyé un 500 ml. C'est le shampoing usage fréquent au pamplemousse. Et j'adore l'odeur. Ça sent vraiment le pamplemousse. Donc voilà. Merci beaucoup, Melvita. Je vous mettrai les liens de tous les produits dessous, parce que j'adore tellement cette marque. Puis ils sont tellement gentils. Ça me fait tellement plaisir. Voilà, c'est bien ça. Je commence à me réveiller un peu avec tout ça. Bien, j'ai réussi à sortir entre deux trompes d'eau pour aller à la poste. C'est très bien, j'ai rapporté mes trucs qui ne convenaient pas. Et je vais en profiter, comme je ne suis pas très loin, pour passer chez le traiteur asiatique. Chercher des trucs absolument délicieux. Je voudrais s'il vous plaît 6 saucisses thaï et du poulet au poivre noir. Une moyenne s'il vous plaît. Merci beaucoup. Regardez-moi ça, comme c'est beau. À un moment, j'avais de la bruyère sur mes fenêtres. J'adorais. Il faudrait que je me motive à replanter des trucs, mais j'ai été prise ces dernières... Ça fait assez longtemps, un peu, genre plusieurs années. J'ai la flemme de planter des trucs sur mes fenêtres. Du coup, c'est un peu la friche, quoi. Ça ressemble à rien. Mais quand je vois de la bruyère comme ça, mais j'adore ça, quoi. C'est tellement beau. Bon, et aussi tentant que ça puisse être, je n'ai pas besoin de fleurs. C'est ça le problème, c'est que quand on a des fausses fleurs, comme moi, en ce moment j'en ai plein, ben on n'achète plus de vraies, quoi, parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est pas la même poésie. Mais bon, soyons raisonnables. Bon, et ben c'est bien dommage, mais je n'irai nulle part ce soir. Et on est dans la cuisine, il y a des brocolis qui cuisent. C'est ça qu'on entend. Je suis pas bien du tout. Donc je suis hyper déçue parce que c'était un événement Jo Malone que j'avais ce soir pour leur nouveau parfum qui est un boisé qui m'intéresse vachement. Alors là, rien qu'il était d'aller dans les transports, je me sens pas bien du tout. Donc je vais rester chez moi, manger des brocolis et me coucher très tôt. Voilà, je vais aller faire cuire ça. À demain. Hello les enfants, et regardez-moi ce temps exceptionnel. Grand ciel bleu et 15 degrés. Mais franchement, mais s'il pouvait faire ce temps-là toute l'année, oh, j'adore ça. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Je vous tourne la caméra, sachant que je ne suis ni coiffée ni rien du tout. Quasiment je sors de mon lit. Ça va un petit peu mieux. Ma migraine n'est pas complètement passée, mais... Attendez, je me recule. En fait, j'évite de hurler parce que la fenêtre est ouverte. Ma migraine n'est pas complètement passée, mais j'ai plus envie de vomir, ce qui est déjà un progrès, indéniable. J'ai pas de truc délirant intéressant à faire aujourd'hui, une fois de plus. J'ai rendez-vous chez ma généraliste pour, parce que je la vois régulièrement pour voir où ça en est, machin. Renouveler certains trucs, enfin, vraiment, visite de routine de contrôle, quoi. De contrôle de routine, pardon. Et puis, il faudrait que je... Faut que je range. Faut tout le temps que je range. Je veux dire, cet appartement est constamment en chaos total. Et ça m'épuise. Et donc, il faut que je range. Il faut que j'arrive à au moins déplacer des choses. Voilà. Donc, je vais me coiffer et aller chez le médecin. Bon. J'ai fait un petit réassort de ce qui me manquait. Notamment des fruits, parce que j'en mange beaucoup. Pourquoi il y a des trucs écrits? Pourquoi il y a écrit le canard sur mes nectarines? C'est très bizarre quand même. Bon, bref. Et du concombre, parce que alors c'est passionnant ce que je vais vous raconter. Mon Dieu, on va parler de concombre, je ne vous raconte pas. Avant, j'aimais pas le concombre, parce que en fait, c'est comme ça n'a pas de goût, c'est l'assaisonnement qui fait tout. Et en fait, j'ai découvert une recette où on le fait avec
C'est une salade de concombre asiatique, en fait. Donc, on le fait avec de l'huile de sésame, de la sauce soja et un peu de piment. Et c'est hyper bon. Et depuis, j'arrête pas de manger du concombre. Voilà, vous savez tout. Et ben, je vais retourner me coller devant mon ordinateur. Parce que c'est lui qui m'occupe le plus ces jours-ci. Mes petits-enfants, je vais me préparer à manger. Ça va être d'une immense originalité, comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais faire du riz. Je vous jure, je suis vraiment capable d'en manger tous les jours. J'adore ça. Et des petites saucisses thaï que j'ai achetées chez le traiteur asiatique. C'est hyper bon, les saucisses thaï. Si vous n'avez jamais goûté, vraiment, il faut goûter. C'est absolument mais délicieux, quoi. Voilà, je vais les réchauffer au micro-ondes. Je vais mettre, évidemment, comme il se doit, de l'huile d'olive et de la sauce soja dans le riz. Sauce soja salée, hein. Et voilà, ça va faire un dîner sublime à déguster en regardant Sabrina une fois de plus. Hello, hello, my friends. Nous sommes samedi. J'ai été bien productive ce matin. J'ai fait des photos, j'ai filmé pour ma... Qu'est-ce que j'ai porté cette semaine sur Instagram, là. Vous savez, j'adore ce truc, ça m'éclate. J'ai acheté un miroir exprès. Bah oui, je vous l'ai montré. J'ai acheté un miroir exprès pour ça, quand même. Voilà, mes photos sont prêtes et tout. Je suis très contente. Maintenant, je vais déjeuner chez mon père. Là, pour le coup, je suis beaucoup moins contente parce que le bus qui... J'ai un bus direct de chez moi à chez lui. Il habite dans le 15e. Il y a un bus direct du 18e au 15e. Et ben, il ne marche toujours pas. Il s'arrête au milieu du trajet à cause de ces fucking Jeux Olympiques qui sont pourtant terminés. Mais comme ils n'ont pas... Je sais pas, il y a des installations qu'ils n'ont pas enlevées. Je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils foutent. Ben voilà, on peut toujours pas. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. J'ai pas pu prendre le bus de tout l'été quand j'étais là. Bref, c'est pas très grave, je sais bien qu'il y a des problèmes plus graves sur Terre, mais je pense que j'ai aucune envie, il fait un temps magnifique, j'ai aucune envie de passer trois quarts d'heure enfermée dans le noir, dans le métro, je pense que je vais me faire, je vais treat myself et prendre un Uber. Voilà. Ah, c'est pas tout, regardez, oui j'ai encore des nouveaux mocassins, j'ai encore acheté des nouveaux mocassins Vivaya, je voulais des gros mocassins comme ça, puis ceux-là en léopard, je les trouvais drôles. Je les ai portés pieds nus hier, ils sont très bien, et aujourd'hui je les ai mis avec des chaussettes. Eh ben, je suis enchantée. J'adore le style que ça donne. Et en plus, c'est méga confort et ça tient chaud. Je pense que je vais porter ça tout l'automne. Voilà. Non, mais ce temps incroyable qu'on a. Il fait beau et il fait 14. C'est merveilleux. Absolument merveilleux. Je suis trop heureuse. Bon, j'ai fait l'erreur de faire l'aller en Uber. Avec tout Paris qui est bloqué, il y a une parade sur les Champs-Élysées. Dieu sait quoi encore. L'enfer, j'ai mis des heures, donc je vais prendre le métro pour rentrer. Voilà, je suis de retour chez moi. C'était très sympa chez mon père, j'étais très contente de le voir, lui et ma belle-mère. Et j'ai bien fait de prendre le métro pour rentrer, d'abord parce que ça m'a pris 2 minutes au lieu de 2 heures. Et ensuite, ça m'a permis de voir que la station Concorde a rouvert. J'en revenais pas. On est passé, moi j'étais là sur mon téléphone, on m'a pas regardé, puis tout d'un coup on s'arrête et j'étais là. Mais c'est allumé, il y a des gens. Ça y est, ils l'ont rouvert. Donc voilà, je vous annonce, la station Concorde a réouvert au public. C'est la meilleure nouvelle du mois. Sur ce, bon dimanche.